She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me called, I thought she was a... Salut la famille. Bienvenue sur notre chaîne Verse Pro Mars TV, oui. La chaîne du Japon, du Bérin, oui. Nous, on est là, on vous donne les informations sur, oui. Quand ça apparaît sur la toile, nous, on a le droit même, et même l'obligation de vous apporter ça. Même si c'est les infos qui ne nous jouissent pas, mais nous, on doit vous apporter ça parce que c'est notre devoir, oui. Je vous apporte ça et vous faites vos analyses et vous jugez. Et la famille, nous on est responsable de ce qu'on vous dit, mais pas de ce que vous avez compris. Et la famille, il y a des rumeurs que le business de notre fille Kimi est en baisse. Pourquoi? Parce que le buzz qu'elle avait à Arcel, ça propulsait le business. Ça faisait que les palettes se vendaient. Vous savez, j'avais d'ailleurs fait une vidéo, j'avais dit que quand les mamans la clashaient trop, Arcel, je leur ai dit que, au lieu de vous concentrer à clasher, Arcel, si vous aimez trop Kimi, concentrez-vous. Que si vous aimez trop Kimi, concentrez-vous à vendre ses palettes, à faire la promotion de ses palettes. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de concentrer toute votre énergie à descendre un gars. Donc, selon ce que les gens disent, tout ce que les gens disent que oh, les palais se vendent comme machin, c'est sold out, il n'y a plus c'est que c'est du bruit. Qu'ils ont su que les ventes sont en train de descendre, c'est pour ça que les macrosons ont animé Kim à faire un U-turn. Vous savez ce qu'on appelle U-turn? C'est en anglais, c'est une expression anglo-saxonne. Donc, U-turn, quand tu fais un U, non? Donc, tu es en train de partir. Maintenant, tu fais la courbe, tu reviens. C'est ce qu'on appelle U-turn. Donc, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Je ne sais pas quelle véracité il y a dans ça, mais c'est que dans le truc, on me dit tout. Oui, parce que les témoignages disent qu'il y a les clients qui ont envoyé de l'argent et n'ont pas reçu leur commande. Oui. Et quand quelque chose est en sold out, pourquoi vous prenez l'argent des gens alors? Pour ne pas envoyer leur, pour ne pas expédier leur colis. Ils sont en sold out, c'est en sold out. Donc, sold out, c'est quoi? Rupture de stock. Vous n'allez pas prendre l'argent des gens. C'est ce que certains expliquent. On ne connaît pas ce qu'elle verra. C'est comme les réseaux sociaux, ils sont comme ils sont. Ils manipulent trop, ils cachent des informations. Hein? Donc, les informations, c'est les petites fuites qu'il y a, qu'on reçoit, hein, la famille. Donc, les gens, oh, peut-être les gens, ils sont proches, ils viennent dire, ah, c'est comme ça, elle a fait là, c'est difficile, c'est comme ça. D'autres viennent dire, non, hey, vous manquez, non. Les trucs se vendent bien, oh, donc c'est comme ça. On va faire comment? Donc, il paraît que c'est Marcosor qui anime l'autre à repartir vers Arcel. Et il paraît que Arcel n'est pas trop disposé. Il paraît que son équipe et son entourage ont été trop blessés. Blessés par les propos des gens comme les Lolo Beauté et sa team, sa clique. Et la famille. On va faire comment? Donc, s'il savait que c'est vrai, cette information, que les palettes ont baissé la forme, donc, vous savez qu'il y a même d'autres qui arrivent à réclamer que, comme Lolo Beauté disait que, wow, il fallait signer le contrat avant de faire un projet. Maintenant, les gens disent que, bon, est-ce que qui m'a donc signé le contrat avec Arcel pour prendre la chanson d'Arcel et faire le spot qu'elle a fait là? Oh. C'est les gens, hein. Arcel n'a rien dit. Parce que, d'autant plus que sur l'affaire des contrats là, quand Lolo Beauté venait dire que pour faire un projet, il fallait signer un contrat, c'est qui même qui s'opposait à ça? Qui m'a dit, je ne veux pas de contrat, je veux que tout soit naturel. Oui, mais comme c'est les parents, ils ont dit, oh, ça engendrait les problèmes. Oui.
Et vous savez qui est derrière. Satan ne peut pas venir exiger un truc qui ne sait pas ma consort qui est derrière. Ouah, oui. Il dit que Dieu l'a donné une révélation, qu'il doit laisser ses enfants entre les mains de Lolo Beauté pour qu'elle le protège. Donc, elle envoie Lolo Beauté pour faire le bizarre. Celui-ci, hein, quand il veut faire ses mamans, il a. Hein. Non, 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 mon frère. Le problème, c'est que tes mamans, il a. Tu réfléchis bien pour faire, mais après, la vérité a les longues pattes. Ça finit, tu passes se découvrir. Donc, vous comprenez un peu. Donc, si Lolo Beauté vient se placer là, qu'elle veut le contrat. Et qui me dit non, je veux pas signer, non, je veux pas signer un contrat. C'est ton gars, imaginez. Tu as un gars que tu aimes bien, tu aimes trop. Il y a un business, vous avez fait ensemble là. Une tante vient te dire que non, faut signer le contrat avec elle. Tu as dit quoi? Tu as dit carrément, la tante, laisse ça. Moi j'aime mon gars, j'ai confiance en lui, n'est-ce pas? C'est le plus naturel. C'est ce qui se sont passés. Oui. Non. Il veut pas, il veut que ce soit naturel. Non, non, attends, dis non. Les choses, là, tu ne connais pas. Nous, on est là longtemps depuis. On a fait près de combien d'années là sur le truc, sur les réseaux sociaux. Oh, nous, on connaît, nous, on connaît, oui, nous, on connaît, on connaît. J'avais vu une vidéo alors quelqu'un me dit que tu es jeune sur les réseaux sociaux. Les Macossons ont plus peut-être 10 ans, plus de 10 ans sur les réseaux sociaux. Il me dit que moi, je suis jeune sur les réseaux sociaux. Je vais te dire que je suis dans les réseaux sociaux avant les Macossons. Je te dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Les Macossons sont venus sur les réseaux sociaux quand c'était. Il y avait Facebook, YouTube, TikTok. Nous, on était sur les réseaux sociaux quand c'était encore MySpace. Les gens de l'époque vont vous confirmer ça. C'est-à-dire qu'on commence par MySpace. Facebook n'était rien devant MySpace. Oui. Depuis MySpace, après, quand c'est Facebook qui est venu maintenant tuer MySpace, c'était MySpace, la famille. Il y avait le truc MySpace, Musica Click, il y avait des trucs, il y avait des petits, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Facebook est venu seulement les tuer. Et YouTube. Facebook et YouTube. Donc tu as mis que les marques se sont avant toi sur les réseaux. Oui, on a dit que je suis. Mon premier YouTube, ça date depuis 13 ans. Mais c'est que c'était pas un YouTube pour faire les vidéos, c'était un YouTube personnel. Oui, ce n'était pas pour faire venir sortir faire les vidéos. Mais mon premier compte YouTube. Vous dites quoi là? Vous racontez quoi là? Nous, on a connu YouTube dans ses débuts, dans les trucs, quand ça fait, mon frère, quand ça chouinait pas encore comme maintenant, là. On était dans MySpace, mais qui chouinait avant YouTube, avant Facebook. Allez, maintenant, MySpace est déjà réduit à un truc, je ne sais pas. Allez, cliquez sur Google, vous voyez MySpace. C'est là-bas. C'est là-bas que tout se passait. Ouais, il n'y avait que ça après les sites de rencontres, là. C'est ça qui chauffait. Facebook n'était pas encore populaire. Donc, vous allez me dire, les marrons sont dans les réseaux sociaux depuis, hein, parce que vous avez connu dans Facebook et machin, oui. Nous, on a fait les réseaux sociaux depuis MySpace. Oh, la famille, ensemble. On peut qu'observer. Quand il y a les infos, nous, on vous apporte, non? Nous, on veut la réconciliation, oui. Ou bien, même s'il faut seulement qu'ils soient amis, on veut. Mais quand il y a les infos, on a l'obligation de vous apporter ces infos. Que ça nous plaise ou pas, on doit vous apporter ces infos. Ok, on se prend très bientôt pour une nouvelle vidéo, la famille. Bisous et hasta pronto. Souvent, c'est un peu bête, bête dedans. Souvent, c'est un peu intelligent dedans. Nous tous, on est intelligents sur cette terre. Pas quelqu'un qui est bête dedans, qui est plus intelligent que son ami. Donc, il nous excuse beaucoup, mais. La petite Azaé, et comme elle voit que Axel, son clip a fait plus de millions de vues, ça commence à donner, bah, il faut qu'elle se fasse un genre pour dire je soutiens, parce que ses palettes ne marchent plus, il faut qu'on achète. Pour que elle aussi, ça soit bon chez elle. Donc elle est obligée de faire ça pour avoir de la cote de popularité aussi. Parce que j'ai vu aussi un message où il y a une fille qui disait le message qu'elle a payé depuis. Elle ne reçoit pas sa marchandise. Pourtant, elle voit ses sold out. Pourtant, elle voit ses sold out. Mais elle ne reçoit pas sa marchandise. Donc, qu'est-ce que c'est? Moi, je ne comprends pas. Donc, on nous dise le vrai point, en fait. C'est tout ce que je voulais dire. Merci.
Merci beaucoup. Traoré, c'est ça, non? Madame Traoré.